accompagnement 1 pour Dua. Part 1, Dua. Ok, pour l'accompagnement 2, part 2. Accompagnement 3, part 3. Attention au début, hein, avec cet accompagnement-là. Watch the start. The one is in the slap, so it's a... Okay. Donc, bonjour à tous, bienvenue sur le jour 2 de mon blog. Je voudrais répondre à Martin, le djembé fola, parce que j'étais allé voir ton blog tantôt, j'ai vu que tu demandais la signification de doua. Doua, excusez mon accent québécois. Oui, j'étais là à Québec et j'aimerais aussi, j'ai toute l'histoire avec moi aujourd'hui que je vais partager, parce qu'une chose qui sont très importante pour eux qui nous ont enseigné là-bas. Oui, c'est bon d'avoir une belle mélodie, d'avoir un beau son, d'être un super soliste, mais si tu connais pas les racines, si tu ne connais pas l'histoire des rythmes, ben, y a une partie de la tradition qui se perd. Donc, moi, mon cadeau aujourd'hui, ben, ça va être de partager cette histoire-là, premièrement. Puis, bien sûr, je vais vous montrer l'accompagnement 1 du rythme doua. Et pourquoi pas une partie solo traditionnelle aussi. Pour commencer aujourd'hui, demain, on fera la suite. Donc, je vais vraiment y aller avec les mots mêmes de Bola Kala Kondé pour vous transmettre l'histoire, pour vous montrer que c'est vraiment authentique de lui ce qu'il a dit. C'est pas tout le temps facile, il va peut-être avoir une traduction un peu anglais-français, là, ok? Suivez-moi quand même, vous allez comprendre, c'est une super belle histoire à connaître. Très beau message dans cette histoire-là, dans ce rythme-là. Puis quand vous allez jouer ce rythme-là, vous allez comprendre au moins pourquoi vous le jouez. Puis, ok, on commence. Je vais juste, donnez-moi un petit instant, s'il vous plaît. Je vais prendre ça, ok. Donc, on s'assoit tranquillement. Je vais ma première histoire sur la signification du rythme doua de Bola Kala Kondé, interprété par Jean-François Lacoste. Par exemple, moi j'ai comme 50 ans, quelqu'un qui a 25 ans, quelqu'un 60, quelqu'un 62, lui, il y a 120 ans. C'est le seul qui est comme ça, c'est le plus vieux, le plus respecté du village. On l'appelle, le personnage, Soti Kémon. Soti Kémon. On le joue, le rythme doua, pour lui.
parce que lui connaît beaucoup, beaucoup de choses. Il a beaucoup de sagesse. Tout le monde lui demande des conseils. Est-ce que je peux faire ça? Si je fais ça de cette manière-là, est-ce que mon business, ça va aller bien? Ou là, c'est un peu dur à traduire. Là. Après 20 ans lui avoir demandé des conseils, plusieurs personnes sont passées, sont venues lui demander des conseils. Il y a des gens qui ont perdu leur travail, qui ont perdu, qui n'avaient rien à manger. Donc, il donnait, tu sais, si tu fais ça, ça, tout va bien aller. Puis tu vois, ça va aller 2 ans, 3 ans après. Tout le monde va être content. Si tu fais comme lui a dit, maintenant, dans 2 ans, 3 ans, tout le monde va être content. Tout le monde, le succès dans la business, et tout le monde est heureux, tout le monde, l'abondance partout, la nourriture, l'argent. Là, les gens qui ont réussi, ils disent, ah ben moi c'est Satikémon qui m'a dit de faire ça. Très, très, très important, le rythme doit. C'est une belle mélodie, une bonne mélodie. C'était ça l'histoire un peu facile. J'échappe le serpentin, pardon. Donc, c'était ça l'histoire de Doua. Moi, je trouve que la philosophie est vraiment incroyable. De ça, moi, ça me, je crois à ça. Ça donne une vraie leçon de respect, de respecter nos aînés. Qu'est-ce qu'on fait, nous, avec nos aînés? On les laisse mourir aujourd'hui, en 2013, je pense qu'elle va changer un jour, mais là, il y a beaucoup de gens qui meurent dans des couloirs d'hôpitaux, c'est inacceptable. C'est des bibliothèques vivantes, c'est comme si on jetterait des bibliothèques vivantes aux poubelles. Donc, respect aux aînés, c'est le message de Doua.